Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo avec ma copine Priscilla pour vous parler du dating à l'américaine. Donc on va voir si vraiment c'est comme dans les films romantiques ou à la Pretty Woman où les Américains vous font rêver. On va vous expliquer comment se passent les relations ici avec les hommes américains. Attention, petit disclaimer, on va parler de notre expérience. Donc on va parler de l'expérience de Priscilla et de notre point de vue. À prendre au second degré, chacun a une expérience différente. Donc voilà, on ne juge personne. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe avec les Américains ici, regardez cette vidéo. Donc première question pour toi Priscilla, tu peux te présenter très rapidement, nous dire qui tu étais en France, ce que tu faisais et comment tu es arrivée ici aux États-Unis. D'accord, moi je m'appelle Priscilla, j'ai 36 ans, je viens de Dreux qui est en Eure-et-Loir, à peu près à 50 km de Paris parce que personne ne connaît. Je suis une maman américaine et d'un papa français, donc moi je n'ai pas eu des grandes difficultés pour venir habiter ici. pardon. Avant j'étais sur Paris, je travaillais dans le marketing pharmaceutique. Et ensuite, je suis partie voyager dans d'autres pays. J'ai habité en Belgique, en Afrique du Nord et en Crète. Et en 2014, j'ai décidé de tout quitter et de venir aux États-Unis. D'accord. Et pourquoi sans... J'avais vraiment envie de changer d'air. Je pense qu'on a tous un passé quelque... qui peut être bénéfique ou négatif. Le mien, j'avais vraiment envie de changer d'air, voir autre chose. Et surtout, apprendre l'anglais parce que c'était très gênant de dire que j'avais une maman américaine. Mais je ne savais absolument pas parler anglais. Ouais, c'est vrai, je comprends. Donc du coup, je suis arrivée un peu à l'arrache. Hein. Moi, je suis arrivée juste avec mes papiers, je suis arrivée à Oklahoma City avant, en famille. D'accord. J'ai acheté une voiture. Ok. J'avais quelques dollars dans les poches et je suis arrivée à Miami. Donc vraiment, ça a été l'aventure proprement parlée, quoi. Hein, et pourquoi tu as choisi Miami? Par grande naïveté. Parce que j'ai écouté ma communauté française en me disant Miami, c'est la police, c'est trop bien. Oui, c'est génial. Ouais. Mais les difficultés ne sont pas moindres. Ouais, c'est vrai. Parce que, ok, moi j'avais les papiers, donc forcément plus facile pour même pour trouver du travail. Oui, bien sûr, ouais. Mais en parlant pas anglais ni l'espagnol, je vous dis, c'était pas compliqué. Ça. Et quand t'es arrivée à Miami, est-ce que t'étais célibataire ou en couple? J'étais célibataire. D'accord. Et comment ça s'est passé tes premiers pas, on va dire, ici dans le monde du dating? Alors c'était très amusant parce qu'encore une fois, je parlais pas anglais. Donc avec un broken English, c'est un peu bizarre. Après honnêtement, j'ai pas mal daté quand je suis arrivée ici parce que j'avais besoin de regarder un peu comment ça se passait, etc. Mais très honnêtement, ça va pas du tout donner envie. C'est vrai, t'avais peur quand tes premiers... C'est pas que j'avais peur, c'est que la culture est quand même très différente. Ouais. La manière de faire aussi, c'est vrai que nous les Français, on a quand même ce petit truc un peu gentleman, un petit peu... ou pas d'ailleurs, ça dépend qui on date, hein, bien exactement. Sûr. Mais ici, au début, j'ai daté pas mal d'afro ou de latino. D'accord. Alors latino, moi ça passe pas du tout. Ok, les latinos c'est non. Je n'aime pas du tout la manière dont ils se comportent au premier date. D'accord, ils ont tous cette même manière de faire ou... Après encore une fois, j'ai pas non plus daté beaucoup de gens, mais c'est vrai que j'ai pas forcément aimé l'approche. D'accord. Qui était très claire dès le départ, okay. Et c'était pas forcément ce que je recherchais. Ok, d'accord, donc ils sont très directs en fait. Mm-hmm. D'accord. Et combien de temps a duré ta plus longue relation ici? Un an. Un an? Mm-hmm. Et pourquoi ça s'est fini généralement? Alors ça s'est terminé parce que ce charmant jeune homme était vraiment fixé sur sa carrière. D'accord. Parce qu'il était policier sous couverture. D'accord. Moi je sais, comme ça, ça fait... Ouais, c'est sexy, un policier sous couverture en plus, ça fait mystérieux. Je sais pas, mais moi j'ai trop regardé les séries américaines là, avec les tenues policières, tout ça. Alors, du coup, ça fait rêver. Ça fait rêver et c'était vraiment quelqu'un de chouette, sincèrement. D'accord. Mais voilà, il travaillait beaucoup. Ouais. Et je pense qu'on n'attendait pas la même chose au bout d'un moment. Moi je voulais vraiment m'engager. Mm-hmm. Pardon. Ouais. Et lui n'était pas prêt pour l'engagement. D'accord, il voulait vraiment quelque chose juste comme ça quoi en fait. Ben, on en reviendra certainement à ta prochaine question. Ouais. Parce que le date et les relations ici, c'est deux choses différentes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Comment ça se passe le date ici? Parce que je sais qu'en France, on date quelqu'un et on reste avec cette personne pendant tout le long jusqu'à ce qu'on découvre ou non si la personne te correspond. Ici, je sais que c'est un peu plus différent où tu peux dater plusieurs personnes à la fois. Comment ça se passe ici? Alors, c'est une vérité. Désolée de vous casser le rêve américain, mais c'est vrai. Ici, en fait, les gens considèrent d'être dans une relation sérieuse à partir du moment où c'est officiel. D'accord. Quand c'est officiel, ça veut dire que souvent on te présente la famille et que concrètement vous allez certainement vous marier. Mais avant c'est ce ça, que j'ai entendu. Moi j'ai entendu qu'il faut qu'on te le dise, qu'il faut que ça se dise en fait. Oui, voilà. On est ensemble maintenant. C'est ça. Se dise officiellement, sinon exactement. Ça. Exactement. Alors que chez nous, tu rencontres quelqu'un, tu as un bon feeling, tu te revois, tu t'embrasses, un mois, ensemble, à partir du moment où tu as
quelques moments intimes avec une personne, tu es avec ta personne. À partir du moment où tu vois la personne plusieurs fois et que tu t'appelles tous les jours, pour moi, tu es avec quelqu'un. Et bah pas ici. Ouais, non, ils ont cette manière... Ici, en fait, c'est ils ont ce truc à dire « we go with the flow ». Ouais. J'ai toujours pas compris après 4 ans. moi, « going with the flow », ça rentre pas dans mes convictions personnelles. Ouais. À partir du moment où on a un certain âge, où on sait ce qu'on veut dans la vie, tu dois te comporter en tant qu'adulte et tu dois savoir ce que tu veux. Et eux ici ils sont plus open windows, donc comme Josie a pu l'expliquer, bah voilà, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et si jamais bah, tu remportes le triomphe de tes concurrents... Parce que c'est un triomphe ici, hein. C'était officiel, c'est le... Ouh. C'est waouh. Ouais. Mais pour arriver à ce niveau-là, déjà, faut charbonner. Hein. C'est hallucinant. Après, moi aussi, pour la petite anecdote avec mon mari, puisque moi, j'ai pas vraiment daté ici. J'ai rencontré mon mari, c'était le premier que j'ai daté et c'est le dernier, quoi. Donc, Après, José a une grande chance. Déjà, son mari, il est super gentil et tout ça, mais il vient pas de Miami. Ouais, c'est vrai. Il faut quand même préciser que les Floridiens sont quand même spécial. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, quoique, moi, j'ai eu le... au début, je pensais qu'on était ensemble, donc on s'embrassait, on avait des relations, donc moi je me suis dit bon on est ensemble et on a eu cette chose qui s'est passée où je l'ai vu flirter avec une autre fille et je me suis dit donc j'ai fait une grosse crise de jalousie et il me dit mais on va revenir à cette jalousie justement et... c'est très amusant. Non mais attends, mais après tu sais ce qu'il ose me dire, il me dit but we cool, like on est cool, what je fais, we cool. Ça veut dire en gros, genre, on est juste tranquille, calme-toi, quoi. On est amis. Donc, on fait nos affaires, on s'embrasse et tout, mais ça veut pas dire que. Et j'ai dit, ah, oui, cool, ok. Donc, moi, à partir du moment où il m'a dit ça, je me suis dit, vas-y, je vais te montrer ce que c'est le oui, cool. J'ai commencé à flirter ici et là avec les gens les plus proches de lui. Il a pas pu assumer, il m'a dit, ok, viens, officialisation, c'est bon, tu vois. Mais j'étais choquée, en fait, parce que moi, pour moi, on était déjà ensemble et pour lui, en fait, il avait pas, en fait, cette notion déjà de. Donc pour toi aussi, t'as eu cette vision. Ah oui, mais carrément, parce que moi par exemple, après, voilà, moi c'est vrai que je suis célibataire depuis plus d'un an, c'est un choix personnel. J'ai eu des dates, hein, mais qui m'ont pas forcément donné envie de poursuivre les connaissances de ces individus. Mais honnêtement, c'est mon ex par exemple avec qui je suis restée quasiment un an, pour moi on avait vraiment une bonne relation, mais le jour où il m'a dit lorsque je souhaiterais que tu sois ma girlfriend, je te le dirai. Alors là, je me suis pris une claque parce que tu disais ah. Je suis calmée de 15 étages. J'ai dit mais attends, tous les week-ends on est ensemble, on s'appelle tous les jours, tu m'as présenté à tes amis. Bah non, en fait, je n'étais pas sa copine. Et surtout, lui aimait beaucoup les femmes, dans le sens où il avait plein de amis filles. Ah ouais, ça j'aime pas. Alors ça. Moi, je suis ta seule copine, voilà. Ta seule amie, je suis ta femme, je suis ton amie, je suis tout. Je pense qu'on vient d'une génération, Josie et moi, ouais. Où il y a quand même des standards, où il y a quand même des valeurs qu'il faut pas négliger. Et c'est vrai que moi, c'était ma difficulté ici, ce qui l'est toujours, parce que bah, déjà, j'ai pas un caractère facile non plus. Hein. Je veux dire, je suis une femme indépendante, donc on a nos standards, encore ouais, une fois. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, ça revient assez régulièrement, tu es trop jalouse. Tu vas aller trop vite. Je suis pas prêt. T'es pas prêt de quoi? Qu'est-ce qui... Mais en fait, dès le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai dit voilà, moi ce que j'attends de la vie, c'est ça, ça, ça. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as le choix de pas me voir. Ouais. De voir une fille qui sera plus en adéquation avec ce que toi, avec tes principes d'aujourd'hui. Ouais, effectivement. Donc à partir du moment où tu acceptes et que tu tolères un peu et que t'es en cohésion avec ce que je viens de te dire, me dis pas 6 mois plus tard, je suis pas prêt, tu es trop ci, tu es trop ça. Non, à partir du moment où tu me dis, moi, je suis censée être ta copine, même si je suis ton date. Ouais. Parce qu'après 8 mois, j'ai toujours pas rencontré ta famille. C'est pas normal. J'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai pas 15 ans. Ouais, c'est clair. Je sais ce que je veux, au bout d'un moment, fais ce que t'as à faire. Ouais. Et que tu pars en week-end avec ta best friend, non. Non. Oh, non, quoi? Ouh là là, c'est non. C'est normal. Oh non, c'est normal. C'est normal. Non, moi j'aurais pas accepté. Que tous les deux? Que tous les deux. Quoi? Mais c'est quel genre d'amitié ça? Et surtout, il faut savoir quand même, parce que je me suis dit, ok, je viens pas d'ici, c'est à moi de m'adapter à ce pays. Ouais. Peut-être okay. Peut-être que moi je suis un peu psycho. Non. Je me dis, ok, tu vois, moi j'ai grandi voilà, dans une atmosphère assez stricte et où on ne fait pas ce genre de choses. Ouais, c'est. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Mais la normalité ici est différente. Ouais, c'est vrai. Donc je me dis, bon, s'adapter. Je vais rencontrer cette jeune demoiselle. Après tout, ça fait 15 ans qu'ils sont amis. Laisse-moi voir qui c'est, laisse-moi être ouverte, d'accord? Let me tell you that. Ah! Vous voyez les attitudes là?
Vous voyez les films américains où on voit les cheerleaders? Genre... Toutes comme ça et... Ah oui, exactement, d'accord. Comme ça. Et moi, je suis arrivée en paix, je suis avec un cadeau. Ouais, tu voulais. Ah, t'arrives arrivée... avec un cadeau et tout. Je suis bien, moi. À la française, tu vois, je suis éduquée, je viens chez les gens, je ramène quelque chose. C'est bien, t'as géré, d'accord. Je viens bien. Regardez bien. Elle a pris le cadeau, là. Elle l'a jeté à la poubelle. Devant toi? Bien sûr. Arrête. Devant tout le monde. Et elle a pris le cadeau, elle l'a jeté. Mm-hmm. Là, c'est elle une provocation. Elle a été vraiment. A toujours fait oh nananananana avec mon gars. Et moi, je dis. Non, il y a quelque chose. Moi mm-mm. Là d'où je viens, je peux te casser ta figure en faisant ça. Ah ouais, non mais c'est pas normal, là c'est un manque de respect total, là. C'est vraiment manque de respect, provocation, je te montre que... Et encore une fois, on a grandi, donc notre esprit un peu Kaira, il s'est détendu. Ouais, on s'est calmé, d'accord. Et je ne voulais pas lui laisser le droit de me dénigrer. D'accord. Parce que oui, tu sais ce que c'est aussi, à partir du moment où on a un accent dans ce pays, en tout cas en Floride, on peut penser qu'on est un peu bébête. Ouais, d'accord. Surtout les Américains de la Terre profonde. D'accord. Ils n'aiment pas trop qu'on rentre dans leur monde et surtout pas en étant une femme et encore moins avec un accent. Mais ça a été une journée horrible pour moi, quoi. C'est pas bien ce qu'elle a fait. Et lui n'a pas réagi. Il a rien dit. Il a rien dit. Oui, donc ils avaient quelque chose. Il y avait quelque chose. La manière dont elle a réagi, elle était agressive. Moi, elle était... c'est ce que je dis depuis le départ. Je dis, je peux pas être jalouse pour sans raison. Ouais. Il y a si, quelque chose. Si je te dis que là, ça va pas. C'est que ça va pas. Et du coup, comment ça se passe avec les dates, avec les Américains? Est-ce que c'est eux, par exemple, qui vont payer le first date? Alors ça, les filles, est-ce que c'est des gentlemen? Contrairement à nos Français qui sont assez crevards. Pardon? T'as eu le 50-50, toi, avec les Français, genre. Le 50-50, même le zéro, genre, Pour un McDo. Regarde-moi. Ah oui, non, regarde-moi. Non. J'ai pas besoin de toi pour le McDo, frère. Ouais, non, c'est pas non. Ici, sincèrement, et c'est dans la culture aussi floridienne, il y a beaucoup de michetonneuses ici. Ouais. Encore une fois, on ne fait pas généralité, c'est vrai, hein, c'est vrai, on soit d'accord. Mais la femme ici, c'est une princesse. Donc la femme ici, culturellement, on a besoin d'envoyer du lourd, quoi, pour qu'elle ait envie de rester avec l'homme. Ouais, c'est vrai, voilà, exactement. Surtout à Miami, moi, je dirais. Elles ont un high standard. Ouais. Elles veulent un homme qui est indépendant financièrement, qui pourront prendre soin d'elles. Généralement, après, ça reste toujours du général, hein, voilà. Il y a de tout. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai. Donc en général, l'Américain, on va dire, il est très arrogant parce qu'il a besoin de montrer c'est ce qu'il a. Mm-hmm. Donc, il va inviter. Voilà, il va toujours inviter. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien payé à chaque d'accord, fois. D'accord, ça c'est bien. D'accord. Après, il y a quand même des crevards. Hein. Donc, ouais. À mon avis, moi, les crevards, je n'appelle pas les crevards. Je me dis que si on les met, qu'on trop de dates à la fois. Ouais, et qu'ils peuvent pas. Ils veulent aller au Starbucks, comme ça leur coûte 4$. Oh, et au cas où, si ça passe pas. Tu as vu, ils n'ont pas dépensé trop d'argent. Non. Donc, déjà, non. Moi, c'est ça, mort. Ça, c'est non. Déjà, parce que je ne bois pas de café. Donc. Donc non, pas de Starbucks pour moi. Non mais bon, à partir du moment où les filles, il faut quand même se respecter. Ouais, c'est pas vrai. Une question d'être michetonneuse ou quoi, non. C'est une question de savoir sa valeur. Exactement. On est quand même des femmes, la femme ça doit être séduite, même si ok, les féministes vont dire oui mais on est indépendante, certes. Ça change pas que nous sommes des femmes, ouais. On doit quand même être bien traitées. Et qu'un homme doit nous courir après. Moi voilà. Je trouve que c'est cette phase où l'homme doit quand même nous courir après. Exactement. Voilà, on est d'accord sur ce point. De se sentir spéciale, de se sentir un peu valorisée. Ouais. Ça fait plaisir et... Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Voilà. Et du coup, au niveau donc, tu vas dater, le premier date, généralement, c'est eux qui payent. Vous datez pendant combien de temps avant d'être officiel et à partir de quand on passe à l'action, sexuellement? Alors, bah, pour être officiel, ça vraiment, il n'y a pas de norme. Hein. D'accord. Moi, j'ai rencontré des mecs où après la connexion ne s'est pas passée. Ouais, donc c'est vraiment. J'aurais pu me marier avec eux direct parce que. Mais bon, vous connaissez ce genre de mecs-là qui n'ont pas trop de succès avec les filles, donc ceux-là, ils font un peu peur quand même. Ouais. Parce ouais. qu'ils s'accrochent comme. Ouais. Et tu te dis qu'est-ce que tu veux, calme-toi doucement, d'accord. Exactement, ouais, non. Donc ça on n'en veut pas trop. Ouais. Ensuite t'as les mecs qui sont directs dès le départ, hein, qui te font leur regard là, qui dit on va chez toi ou chez moi. Donc ça bah... Non, on va aller à la maison chacun de notre côté. On ouais, sait qu'en général on dit je reviens, je vais me pouponner un peu et tu ne reviens plus. Ah non, t'as déjà fait ça toi? Ah mais alors moi je dis maintenant, moi je suis sans pitié quoi. C'est-à-dire que avant j'étais gentille. Mais ça c'était avant, comme dirait la pub, tu vois. Ça c'était avant, d'accord. Ça c'était avant. Donc toi t'as déjà fait l'épisode contre, du je reviens. Moi je suis toujours honnête. D'accord. C'est-à-dire que si je sens que c'est pas possible, parce que souvent moi ce que je fais, pour ma sécurité déjà d'une part, je choisis évidemment que des endroits publics, non, hein, oui. Parce que normal. N'oubliez pas les filles qu'on est aux États-Unis, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées ici, et qu'il faut faire très attention en tant que femme. Mais ça on pourra peut-être y revenir aussi ouais, dans la prochaine conversation. Ouais. Et j'essaie toujours de leur parler au téléphone par visioconférence avant de les rencontrer. Ah d'accord, c'est bien ça. D'accord. Comme ça déjà, ça me donne une première approche de la personnalité de la personne. Ouais. Parce que sans faire ça, on peut être extrêmement déçu sur place. Oui, ouais. Et là, c'est extrêmement gênant.
parce que ça m'est arrivé. C'est malin ça, ouais, de faire le FaceTime, voilà. Après, il n'y a pas vraiment de, encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles proprement parlées quant à l'action de l'acte, si je peux dire. Maman, si tu regardes, je suis désolée. Mais non, ça dépend vraiment du feeling que tu as avec la personne. Je pense qu'on a un âge où on est des grandes personnes, on a de compte à rendre à personne. Donc maintenant, si tu as un bon feeling avec quelqu'un, bah tu vas avec ton feeling, quoi. Ouais, et c'est comme ça que donc, ça peut être. Moi, en général, c'est rare, premier jour, parce que j'estime que en tant que femme, encore une fois, il doit gratter un peu plus avant de me montrer qu'il a peut-être un potentiel. Ouais, parce que quand c'est trop facile, ça part, ils s'en vont, quoi. L'homme est un chasseur, ça le sait. Hein, donc si c'est trop facile, il va se lasser très très rapidement et on n'aura rien à y gagner, donc c'est pas le but non plus. Donc il n'y a pas vraiment de règles. D'accord, ça se fait vraiment selon le feeling et la personne. Ouais. Et généralement, comment ça se passe quand le break-up, on va dire, puisque toi, tu es encore célibataire en ce moment. Ouais. Et pourquoi généralement tes relations se sont arrêtées? Pourquoi il y a eu ce break-up? Alors souvent, encore une fois, c'est parce que mes standards n'étaient pas respectés. D'accord. C'est très arrogant, mais je vais pas. Voilà. Ah, mais non, il faut connaître ses standards en tant que femme, ouais. Il ne rentrait pas du tout. Vous savez, avec mes copines, on dit qu'il y a les 3 semaines de notice. D'accord. Donc en général, dans les 3 premières semaines, le mec, il va être au top. Il va t'appeler tous les jours, il va te dire nanani nanana. Parce qu'ici, il faut savoir, petite parenthèse, ici, il ne t'appelle pas par ton prénom. Il t'appelle babe, my love, hey beautiful. Alors ça. Ils sont forts. Vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte. J'ai un prénom, tu as vu, on se connaît pas. Arrête de me donner des noms d'oiseaux là, alors que ça comme ça. Il n'y a rien de personnel dans tout ça et je trouve ça très hypocrite et je trouve pas ça du tout séduisant. Ouais. Surtout dès le début comme ça, baby, là, c'est quelque chose de personnel, de ce qui est censé être mignon, quoi. Tu peux pas donner ça à quelqu'un que tu connais pas. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de courant. Et au début, tu te sens flatté une fois que tu comprends que c'est pour tout le monde. Ça s'appelle comme ça, c'est moins flatteur. Ouais, Mais sinon, en général, c'est voilà, à partir du moment où le mec il donne moins d'attention et que tu sens que quand tu dis bah, on se voit quand, bah je sais pas, on se tient en courant. Ouais, non, là c'est mauvais signe ça, on se tient en courant. Déjà, c'est pas à moi de te demander quand est-ce qu'on va se voir. Normalement, si t'es un bonhomme, un vrai homme, parce que je considère qu'il y a les. En anglais, on dit the boy or the man. Ouais. It's two different things. Il y a deux types d'hommes. Voilà. Ouais. Donc c'est soit t'es avec un enfant, on va dire, soit t'es avec un vrai homme qui sait se comporter en tant que tel. Mm-hmm. Et le break-up, bah, en général, les hommes sont très lâches, hein, c'est pas nouveau. Ouais. Désolée, hein, on vous aime les hommes. Hein, on dénigre personne. Non, on fait juste une généralité ici par rapport à la conversation, mais en général, les hommes ne le disent pas. D'accord. Moi j'ai eu de la chance. Ils te poussent à le dire, moi je dirais. C'est ça? Non, ils le disent pas du tout. Ils disparaissent hein, en général. Ils donnent plus de nouvelles, moins de nouvelles, moins de nouvelles. Moins de nouvelles, plus de nouvelles. Mais après en général, moi j'ai quand même de la chance parce qu'encore une fois j'ai eu du bol de tomber sur des gens qui étaient quand même assez sérieux. D'accord. Et qui étaient assez humains aussi. Ok. Puisque je suis quand même restée avec eux plusieurs mois pour les deux personnes. Donc ils t'ont respecté quand même. Ils m'ont quand même respecté. À la fin il y en a un quand même un peu moins parce que bon, un homme quand il quitte. Et je pense qu'il avait déjà trouvé quelqu'un, donc j'ai un petit doute qu'il m'ait trompé pendant notre relation, mais comme ça n'a déjà pas vraiment, bon, je peux pas vraiment lui en vouloir. Ouais. Mais il m'a dit les choses. Il m'a dit, écoute, c'est mieux qu'on arrête là. En face à face, ça s'est fait par texto. Par téléphone. Par téléphone. Mais il est venu, il m'a offert un bouquet de fleurs, machin. Donc ça s'est bien passé. D'accord. Tu vois. D'accord. Il a même si après, moi, j'ai pas accepté que 2 semaines après, il soit déjà avec une meuf, mais ça, c'est un peu notre histoire. Oui, donc il avait déjà commencé à. Il avait déjà. Ouais. L'autre, le policier sous couverture, on est resté. Pote. D'accord. On s'appelle de temps en temps, il m'invite à déjeuner pour mon anniversaire. D'accord, donc vous avez gardé contact. Ouais, parce que je sais que c'est quelqu'un de très bien. C'est juste que malheureusement on n'a pas matché, c'est comme ça, mais c'est quelqu'un de chouette. D'accord. Donc lui, pareil, il m'a dit clairement, écoute, ça me semble pas the right moment for me. Donc il n'était pas prêt et il te l'a dit, il a été franc et c'est pour ça que justement vous avez gardé bon contact parce qu'il t'a respecté en te le disant. Parce qu'il aurait pu faire le mec, je suis prêt et derrière. Il aurait pu, mais voilà, je pense que dès le départ on s'était mis bien d'accord sur ça. Donc communication c'est important. Après quand c'est des dates, en général soit moi je zappe et j'en parle plus. Quoi. Je next. Parce que moi je sens quelque chose. Ah pardon. Vas-y. Dès que je sens quelque chose qui ne rentre pas encore une fois dans mes critères, je ne perds plus de temps. D'accord. Oui, tu sais ce que tu veux et si ça passe pas, tu sais que voilà, next. Raconte-nous ton pire date. Le pire du pire, celui qui t'a vraiment le plus marqué, que t'as appelé tes copines et tu t'es dit « Oh mon Dieu, je sors d'un date, c'est qui ?» Alors, c'était il y a 3 ans. Ok.
Et justement, je faisais pas encore les vidéos conf-call avant les rencarts. D'accord. Ça, après ça, je me suis dit, ok. je retiens la leçon. Je ne vais plus jamais vivre un moment pareil. D'accord. C'était très embarrassant. Ok. Donc, le mec, plus ou moins mon âge, sur des photos plutôt pas mal. Ok. Et vous voyez, quand on se rencontre comme ça, parce que je dois préciser que moi, je ne sors pas beaucoup, à part pour aller voir mes copines, mais sinon, je ne sors pas beaucoup. Donc, c'est vrai que les sites de rencontre, pour moi, c'est une manière plus facile de rencontrer des gens. D'accord, oui. Donc, voilà. Donc, j'arrive à cet endroit. Donc, vous savez, il y a la technique, on se retrouve hein, avec une petite fleur machin pour savoir qui est qui. Et là, c'est pas du tout la personne que j'ai vue en photo, en fait. Ah, c'était une autre personne. Ah, tu t'es fait catfisher. Ouais, oui, mais carrément. C'est le terme. Il y avait même pas, c'est pas genre il avait caché. Ah, mais non. D'accord. Je pense que cette photo soit. Parce que c'était vraiment lui, mais je pense qu'elle date de 20 ans la photo. Ah, d'accord, donc c'était toujours lui, mais c'était une photo. Qui animait comme jamais. Voilà, ouais, qui représentait pas vraiment ce qu'il était. Bah là, déjà, d'accord. Il avait 200 kilos de plus. Hein. Oh, wow. C'est pas rien. Oh. Encore une fois, je n'ai rien contre les gens en forme, mais j'aime bien avoir le choix. Oui, voilà. Et il faut. Voilà, ouais. Et alors, ce qui m'a fait vraiment de la peine, c'est que j'ai vu qu'il avait vraiment fait un effort vestimentaire. Ouais. Mais ça encore, il y a des gens qui ont du goût et il y a les autres. Ouais. Et l'américain, c'est vrai que c'est pas leur point fort. Ouais, les américains, niveau style, voilà, c'est compliqué. Mon ex, j'avoue, lui, c'est super fashion parce qu'il a beaucoup voyagé en Europe, etc. Mais en général, les Floridiens, c'est pas. Bah, ils ont leurs petites claquettes, leurs avec shorts. Les chaussettes, non, c'est pas possible. Ouais. Alors lui, il est arrivé avec une chemise hawaïenne vert fluo avec du rouge et je sais plus quelle couleur. Oh my god! Un pantalon à l'écossaise. Alors là, déjà ça te pique les yeux. Et alors le must du must, parce qu'on est quand même en Floride, les claquettes et avec les chaussettes. Ah oh non, avec les chaussettes, c'est ça. Là, non, là non. Je me suis dit, à il allait trop loin. Ta vie, tu vas à un rencard avec des claquettes chaussettes. C'est... Il a respecté. Il s'est même pas respecté, ah non, lui. Là, il s'est plus respecté. Là, il est parti à un niveau. Et lui, forcément, quand il m'a vu, je dis pas que je suis une jolie fille, mais si. C'est sûr que, accessoirement, par rapport à ce que je voyais devant moi, je vois bien que c'était pas possible. Ouais, non, tu savais directement. C'est très arrogant et c'est pas le but de la vidéo, mais voilà. Là, du coup, je me suis pas du tout sentie à ma place. Quoi. Le mec, il me fait un hug parce qu'ici, ils sont très. Ouais, directement, c'est vrai. Alors nous, en France, on est un peu plus sur la réserve. Ouais. Ici, ils sont plus, ils te prennent dans leurs bras comme ça, c'est un peu gênant. Ouais. Et là, on s'assoit et tu te dis, oulala. Ah, tu t'es assise quand même. Ouais, parce que au début, j'étais choquée, moi. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mince, comment je vais faire? Je veux pas être méchante, parce que le pauvre, c'est peut-être un gentil garçon, tu vois. Le pauvre. Il a peut-être d'autres qualités, il a peut-être d'autres. Mais même sur les qualités, déjà, tu m'as menti, donc déjà, on part sur un point. Ouais, non, ça, c'est pas bien quand même. Envoie la photo actuelle, comme ça, on est clair dès le début, voilà. Et j'ai le choix de savoir si je peux. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc, je reste très discrète, je marronne. Ouais. Et lui, il était content. Ah, il était super content. Mais, hein. Lui, il se voyait déjà en week-end. Et moi, pendant 10 minutes, je ne dis rien, mais absolument rien. C'est-à-dire que je processe. Ouais. Et là, je me dis, je vais te défoncer. Je vais te défoncer. Et je lui dis, mais en fait, je comprends pas. Je comprends pas comment il est possible que tu me mets dans une situation pareille. Ouais, c'est délicat. Parce que là, je me sens extrêmement gênée. Et ça me plaît pas du tout. Donc je vais payer mon verre parce que je suis quelqu'un de bien élevé et je vais partir. D'accord. Et je demanderai de plus jamais me rappeler. Et il a pas compris. Il m'a dit oui, mais si je t'avais dit que j'étais gros, tu ne m'aurais jamais appelé. Ou tu m'aurais pas répondu. J'ai dit, mais ça, c'est déjà, t'en sais rien. Ouais. Parce que ce que j'aime pas, c'est que tu avais menti en fait. C'est pas le fait que tu sois un peu en forme ou pas en forme. C'est qu'en fait, là, il n'y a rien qui me plaît chez toi. Ouais. Déjà, le mensonge, ça m'a refroidi. Ouais. Ta personnalité. Ton style, il n'y a rien qui me donne, ouais, envie d'avoir une connexion. Ouais, et en fait, c'était très difficile parce que le mec s'est mis à pleurer, quoi. Oh, et franchement, c'était très gênant parce que j'ai vraiment essayé d'être super gentille parce que dans la vie, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Ouais, on a tous eu ces moments où on est parti à un rendez-vous et bah, ça n'a pas matché aussi bien pour les uns que pour les autres. Ou des fois, on peut prendre un peu pour notre grade. Mais franchement, c'était trop gênant, quoi. Et qu'est-ce que t'as fait quand il a pleuré? Bah franchement, moi déjà que je suis un peu réservée, moi je suis pas trop dans le tactile, ouais, je suis quelqu'un d'assez timide. En mode c'est ça. Bah, c'est ouais, ta pote. Je dis, bah je te paye ton verre si tu veux. Je t'invite. Viens, je t'invite. C'était gênant. Gênant. Mais ouais. Franchement, j'ai pas beaucoup parlé plus, j'ai dit écoute, je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine, tu vois.
Mais juste, mens pas la prochaine fois, c'est tout. Ouais, c'est compliqué. Et je suis partie. Donc après ça, ouais, j'ai tiré des leçons et... Mais c'est vrai qu'il y a souvent ces histoires de catfishing. Ils en ont même fait un TV show, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Catfish. Ouais. Et du coup, le principe, c'est des gens qui rencontrent d'autres personnes via des sites internet hein, et qui se sont fait catfisher parce qu'on leur a envoyé une photo qui n'était pas la vraie personne. Et justement, le catfish, l'émission, c'est que tu rencontres la vraie personne. C'est la rencontre entre celui qui s'est fait catficher et le mec qui a envoyé la photo qui n'était pas la vraie photo. Donc c'est hallucinant et je pense que c'est quelque chose qui arrive très souvent aux États-Unis parce que les gens se rencontrent beaucoup via les sites internet. Énormément parce que ici, c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus qu'en France. Ouais. On a beaucoup moins de temps libre. Donc forcément. Les sites de rencontre, c'est quelque chose. Quel site de rencontre généralement toi tu utilises? Alors. Je les ai tous essayés. J'ai tout testé. Alors, le plus négatif, je dirais que c'est Tinder. D'accord, Tinder, oui, ça c'est vrai. Moi, je pense que c'est. À mon avis perso, j'ai rencontré personne là-dessus. Pour moi, c'est que des personnes qui veulent juste un moment sympa, mais rien d'autre. Après, moi, mes deux longues relations, je les ai rencontrées sur POF. Donc. C'est pas Plenty of Fish? Voilà, ça fait ça. Plenty of Fish. C'est un peu moche comme description, ouais. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Et franchement, j'ai rencontré des gens plutôt intéressants. D'accord. Donc c'est quand c'est bien ces sites de rencontre et au final, tu as eu des vraies relations. Ouais. Donc c'est pas forcément vu négativement comme c'est vu en France, comme un truc très très négatif. Ok, et du coup, raconte-nous, là tu nous as raconté ton pire date. Raconte-nous ta pire relation. La relation qui s'est le plus mal finie et. Qui t'a le plus marqué? Bah, c'est difficile parce que j'en ai pas vraiment eu finalement ici. Encore une fois, avec mon ex, ce qui m'avait. Bon, j'en ai deux ex, ok? Le dernier en date, c'est un ancien de la marine. Ouais. Donc c'est vrai que lui m'a un peu choqué par son manque d'éducation, je dirais. Pas d'éducation parce qu'il était très bien élevé dans ce sens. Il respectait pas mal les choses, etc. D'accord. Mais les manières, vous savez que nous en France, on est quand même, on vient chez les gens, on ramène quelque chose. Oui, c'est vrai. On s'assure que la personne que l'on apprécie, elle a tout ce qu'il faut. On est plus dans ce côté un peu communautaire, famille, ouais. De prendre soin. Ouais, lui, pas du tout en fait. D'accord. Et c'est vrai que ça m'avait un peu choqué parce que c'est assez récurrent finalement. Okay. Les manners, comme on dit, c'est pas quelque chose de... qu'ils connaissent vraiment ici. D'accord, ils sont pas, c'est pas la même manière de fonctionner au final, non. C'est une culture différente et c'est vrai que... C'est une culture vraiment différente et c'est vrai que sur ça, je trouve que c'est assez compliqué. D'accord. Parce que nous, on est vraiment habitués à quand même ces valeurs-là. C'est vrai. Donc, il était très gentleman, etc. Du coup, quel conseil donnerais-tu à une jeune Française, par exemple, célibataire qui vit ici en Floride et qui veut rencontrer qui veut une relation sérieuse? Alors, premier conseil serait... Ah, j'ai perdu le français. Déjà, encore une fois, comme on dit depuis le début de la vidéo, de ne jamais de garder ses standards. D'être fier de ce qu'on est. Notre différence est un atout. Ouais. Et n'est pas un problème. Parce que ça, souvent ici, on aura cet effet, oui, mais tu sais, t'es pas en France ici, ou t'es pas comme ci, t'es pas ça. Reste comme tu es. Voilà, sois toi-même. Et sois très sélective. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choix. Ouais. C'est très facile, c'est la surconsommation, etc., etc. Mais il faut être difficile dans ses choix. Et c'est comme, je pense que dans tous les pays où tu peux vivre, moi j'habite dans 6 pays différents, et c'est la même règle à chaque fois, il faut être sélective, et spécialement à Miami, et éviter les mecs arrogants. Parce que eux, ils vous emmèneront nulle part. Et après, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, actuellement, tu es célibataire, comment ça se passe? Parle-nous de la situation actuelle, on finit sur ça. Dis-nous des petits potins. Je ne dirai rien. Je ne partage rien. Mais non, ouais, j'avais besoin de ce temps aussi pour me recentrer, ouais, je pense que c'est important. Tu l'as bien vécu cette période de célibat? Extrêmement bien vécu. D'accord. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je pense, et c'est humain, on est tous expatriés ici, on est sans famille. Moi maintenant j'ai extrêmement de chance d'avoir rencontré des filles géniales qui vraiment me remplissent de bonheur. Dans l'expat je me sentais, enfin disons qu'il y a un an et demi, enfin un an et quelques, quand je me suis séparée de mon ex compagnon, j'ai vraiment voulu reprendre, je me suis vraiment questionnée moi-même en me disant ok, c'est la deuxième relation qui ne fonctionne pas, peut-être qu'à un moment donné j'ai besoin aussi de me poser des questions, de me remettre en question parce que c'est important dans la vie. Ouais, c'est vrai. J'avais besoin de changer de boulot, bref j'avais besoin de tout changer. Donc j'ai tout changé, j'ai blacklisté, enfin blacklisté non, mais j'ai parlé avec les fréquentations que j'avais à cette époque-là en disant voilà, on n'est pas compatibles, c'est pas pour autant que je vous aime pas,
vous êtes des gens super, ouais. mais je n'ai pas envie de vous fréquenter parce qu'on n'a pas les atomes crochus. Ouais. Les mêmes atomes crochus, pardon. Du coup, pendant un an, j'étais vraiment seule. J'ai fait 2-3 dates et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un temps où j'avais envie d'être avec personne. Ouais. T'avais envie de te centrer sur toi-même. Et je suis devenue encore plus exigeante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je me suis retrouvée moi-même en tant que femme. Du coup, plus confiance en elle, forcément. C'est bien. Et maintenant, je sais exactement où je veux aller et ça me dirige forcément vers les bonnes personnes. Après, je peux comprendre qu'ici, moi, je compte rester dans ce pays-là. Donc, forcément, j'avais besoin aussi de me réadapter à la vie d'ici, avec les valeurs. Même si ma maman est américaine, je suis quand même française. Ouais. Donc, j'ai quand même des valeurs plus proches de la France que d'ici. D'accord, ouais, c'est vrai. Donc après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup grandi dans la communauté maghrébine. Ouais. Donc en plus, forcément, ça nous donne des valeurs ouais, autres aussi. C'est vrai. Donc c'est encore plus difficile parce que nous, on attend que l'homme se comporte d'une certaine manière. Et ici, c'est vrai que c'est pas... Ils n'ont pas cette Ils culture. Ils n'ont pas ce côté un peu protecteur, ce côté, voilà. Je suis très contente en tout cas que Priscilla nous a donné un peu de son temps pour partager avec nous son expérience et j'espère que ça nous a donné une meilleure idée des relations amoureuses et du dating ici à l'américaine. En tout cas, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bye. Bisous.